Bonjour tout le monde, c'est Madbob pour une nouvelle vidéo sur Sonic 2006. La dernière fois, ça avait tout simplement laissé avec Just Do It. Et tout simplement, maintenant, il faut se rendre à la gare. Hein. Et la gare, elle est juste là. Essayons de passer inaperçu. Faut pas juste faire ça? Non? L'accès est interdit. Ouais, moi je prends la barricade et je la promène partout et les autres, tu poses pas de questions. C'est la gare, si tu vois quelque chose de spécial dans la gare ou les trains, dis-le nous. Oh, il y a quelque chose qui flotte, mais tu dis rien. Logique, hein. Non, mais ok, bon, faut que je trouve une façon de pouvoir traverser de l'autre côté en me promenant avec mes trucs, hein. Sur l'entrée dans la gare, bon, là, écoute-moi bien. Ils sont des gardes, mais ils ne sont pas tardés à faire leur ronde. Dès qu'ils partent faire leur ronde, tu devrais agir. Si personne ne te repère, tu pourras t'infiltrer dans la gare. Tu agis au moment opportun et ne rate pas ta chance. Tu as encore un peu de temps pour te préparer avant qu'ils ne partent faire leur ronde. Faut que je sois prêt. Attends, je suis bien caché, je suis derrière des gens de travail. Et les gens de travail, normalement, ça reste bien caché. Ils vont faire leur ronde ou ça se passe comment? Faut que je fasse quelque chose? Bon bref, je continue à vous parler pendant d'essayer de trouver... Donc, tout simplement, ils sont supposés faire leur ronde. Mais comment qu'ils font leur ronde la ronde, lol MDR. Attends, je suis bien caché ici, ça pas que je suis là. Je crois que j'ai un pouvoir à les débloquer. Bref, je vais me perdre en allant trouver ce qu'il faut faire. Donc bon, alors on dit tout cela. On va parler juste à lui, de son monde, quelque chose d'important. Non mais juste parler. Ça a l'air d'avoir un problème, ne reste pas planté là, va au magasin, ils vendent de tout. Ah ok, voilà, il faut sûrement qu'on aille prendre le truc d'invisibilité. Donc, tout ça pour dire que, tout simplement, vous... vous êtes impatient, je crois, de voir la suite de Sonic 2006. Et désolé encore une fois de ne pas avoir tourné de vidéo. Tout simplement, si vous avez vu la vidéo, je vais peut-être le mettre en petite annotation, un truc comme ça, juste de référence à cette vidéo. Allez la voir, tout simplement, j'explique bien pourquoi il n'y avait pas de vidéo depuis un certain temps et tout ça. Donc, ça explique bien le tout. Pouvoir extrême, bref, cette puissance cœur du vent. Puis deux fois sur le X, ça permet d'utiliser téléportation. Tu pourrais faire des téléportations instantanées. Bon, bon, on va faire les deux. Hein. On va débloquer des trucs dans ce jeu. Attends, est-ce que je l'ai pris? Ah, ok, il a vendu toute sa marchandise. Je peux pas acheter plus. Ah, parce que je pense que choc mental, je l'avais déjà. Oui, voilà. Waouh, on se déplace trop vite en faisant ça. C'est la nouvelle façon d'avancer plus vite, je crois. Bon, bref. J'espère que c'est ça qu'il fallait faire, hein. Parce que sinon, c'est un peu de la merde, hein. C'est pas ça. Attendez, on va lui parler. Tu vas aller à la gare? Alors, je suis cette route, mais quand je suis passé devant, on dirait qu'il tramait quelque chose. Qu'il tramait. Mais quel mot de merde! Ah ben oui, là ça fonctionne. Bande de cons. Bref, je continue à expliquer ce que j'étais en train d'expliquer. Tout simplement que j'ai quelques nouveautés que je vais apporter en finissant Paper Mario et Sonic 2006. Parce qu'il va y avoir Super Mario Maker qui va arriver. Je vais pas trop non plus parler de ça dans une vidéo de Sonic. Mais bon, je vais quand même parler un peu de Mario. Parce que ça reste quand même l'actualité de la chaîne. Entrez dans les gars. Ah ouais, faut pas que je me fasse remarquer, c'est ça? Bouge pas que je me fasse remarquer, c'est ça? Ouais. Ce jeu, c'est trop bien. Je sais vraiment pas ce que je fais, mais... je pense que ça fonctionne. Voilà. Ça... ouais. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. Je comprends vraiment pas. Bref. Tout ça pour continuer de vous expliquer que... je vais avoir quelques petites nouveautés que je vais apporter, que j'ai discuté dans ma vidéo. Tout simplement que je vais apporter le fait de poser des questions, retour aux épisodes normaux, tout ça. Donc c'est vraiment des choses que, bah attends, je vais vous expliquer pour que vous me commentez, pour pas que vous ayez à voir l'autre vidéo, mais aussi y aller, mais bref. Donc retour de format d'épisode et non de grand tournage tourné. Ça sera pas pour les séries en ce moment, les séries en cours je vais toujours garder. Bon voilà le chargement qui sert à rien quoi. Je vais quand même garder le format en ce moment. Tout simplement de faire des grands tournages et par la suite je vais faire des épisodes. Donc bon, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et par la suite il y aura aussi les questions un peu, peut-être pas nécessairement les questions du jour, mais bon, je vais essayer d'apporter des thématiques dans les vidéos.
Comme ça, je vais pouvoir avoir un petit peu plus parler d'actualité à l'intérieur, vous mettre un sujet en tant que tel. Ok, il fallait que je rentre ici. Boum! Double down. Pourquoi il y a un interrupteur? Je comprends pas. Le mec, genre, il arrive, il fait. Cette balance pense selon le poids qu'on lui met à utiliser avec précaution pour avancer. Oui, je sais, mais. Ah, ok, je peux prendre la boîte. Mais oui, je suis con. Et en la remettant, ça fait redescendre le poids. Mad Bob, c'est un génie. Mad Bob se fout des ennemis. Scène 2. Mad Bob se fout encore plus des ennemis. On a rien à foutre. Pourquoi ça se téléporte pas? Pourquoi ça flotte pas? Merci, voilà. Voilà, voilà, les drops de FPS. J'avais oublié que ce jeu était en mode Super Drop of FPS. Oui, normalement, il faudrait que je mette ça là. Hop. Il fallait que je l'embarque sur l'autre, non? Pourquoi ça monte pas le poids? Des caisses en carton, c'est pas assez, assez lourd, c'est ça, hein? Vous êtes raciste envers les boîtes en carton? C'est vrai que j'ai compris, hein. On va aller prendre des boîtes en pierre, même si c'est pas en pierre. Qu'est-ce que je fais? Oh, ça fonctionne. Lol. Bonjour les ennemis. Comment allez-vous? Je vais bien. Comme toujours. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est de l'énergie. Waouh, super utile. Ça tentait pas de rajouter la plateforme un petit peu plus près, tout simplement. Ça aurait été plus simple, non, non, vraiment pas. Bon, ben, fuck les ennemis, hein. Rien à foutre. Et voilà, on traverse de l'autre côté. En mode, je suis trop badass pour ce jeu. On prend les caisses, on les transporte. Là, je suis sûr qu'il y a un truc en haut. Si les caisses réapparaissent, normalement, ça devrait refaire monter le truc. Et il y a... Oh là là, Mad Bob glitch le jeu, peut-être. Ah ben non. Bah non, pas de glitch. J'étais si heureux de peut-être avoir trouvé un glitch. Ah, on peut pas? Je dois briser la porte. Oui, mais tu penses que je faisais quoi? Ouais. Ah ouais, mais s'il vous plaît, merci. Voilà. C'était... C'est quoi ces explosions d'éclats de couleurs que je sais pas trop ça sort de où? Ow. Non mais laissez... Ow. Laisse-moi tranquille, please. Ok, moi j'ai un rings. Quand on a un rings, on est en paix. C'est quand on a au moins un rings, on peut faire ce qu'on veut après. Regarde, on peut prendre ça et se promener avec en mode j'en ai rien à foutre et voilà, on fait tout exploser. Comme d'hab. Et voilà, on défonce le mur. Ok. Donc c'est ça que j'expliquais un peu. Ah oui, merde. Si tu parlais tous les... Oh, attendez, on peut faire ça. Oui. Oui, c'est trop bien. On fait laguer le jeu. C'est l'attaque suprême de ce jeu. Bon bref, je vais arrêter de dire un peu de la merde, si vous êtes habitué. Hop. Non. T'as démoli ma boîte. Sale merde. Bon, on va y aller en mode YOLO. Ça fonctionne pas trop le mode YOLO, hein. On va essayer le mode YOLO 2. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Et voilà. Bon, on peut le faire dans les arts. Ça fonctionne quand même. Donc bon, ce que j'expliquais tout simplement, c'est que je veux rechanger un petit peu les formats de vidéo pour essayer d'apporter une certaine, pas motivation d'écrire des commentaires, c'est pas vraiment ça, mais apporter une certaine, je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais tout simplement avoir une proximité un petit peu plus près de vous. Ça serait vraiment cool que je puisse me rapprocher un peu de vous par les commentaires et ayant des conversations. Avec différents sujets d'actualité plutôt que juste parler peut-être du jeu, mais au moins on va pouvoir parler de trucs qui me passionnent et qui vous passionnent. Et pas juste parler de Sonic 2006 parce que je sais que vous aimez bien ce jeu, mais quand même, faut pas non plus abuser. Hein. Je peux le tuer, s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. On peut le paralyser, on peut pas le prendre. Ça, malheureusement, on peut pas. Ça, on peut pas. Hein. On peut pas, on peut pas. Ma maman m'a déjà dit que quand on pouvait pas, on ne peut pas. Et là il y a un ressort, je sais pas le ressort nous mène où. Mais il nous mène sur une plateforme qui avance beaucoup plus vite et Ah ouais, ça nous apporte une part de bien. Ah ouais, ça fait une méga explosion de la mort qui tue. Et après on fait fuck l'ennemi quoi. Salut. Ah bonjour les trains. Moi je me téléporte, c'est cool hein. Vous avez jamais vu un personnage qui se téléporte? Ouais, je pense que ça sert strictement à rien d'être sur les trains. Je pense que c'est juste mieux de juste se promener à côté des trains. En mode, j'en ai rien à foutre de ce jeu.
Et voilà, on traverse jusqu'ici et on fait le petit ressort. Oui, je dois attendre qu'il se monte, mais moi j'en ai rien à foutre, je veux pas qu'il se monte. Voilà. Pourquoi il y a un ressort ici? Mais c'est tellement pas obligé de le tuer quoi, j'aurais pu juste continuer. Ce jeu est bizarre parfois, hein. C'est vraiment très très bizarre. Parfois ils nous disent comme qu'on serait vraiment obligé de faire un truc et parfois ils s'en battent complètement les couilles. Ils sont comme ouais, on s'en fout, t'es pas obligé de faire ça, c'est pas nécessaire. Mais non, hein, c'est jamais nécessaire ce jeu. Non mais la boîte qui glitch quoi. La boîte est en mode genre mais je vais traverser. Mais notice me senpai, notice me senpai. Manqué. On va les laisser arrêter de glitcher. On va la sauver un peu. Je crois qu'elle avait le cancer. Ah ok, je pense que les boîtes en carton ne font aucun effet. Donc à noter, hashtag les boîtes carton ne font aucun dégât. On dit que les boîtes en pierre, même s'ils ne sont pas en pierre, font beaucoup plus de dégâts. Oh, c'est checkpoint. 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 C'est pas un checkpoint, c'est la fin. C'est la même chose pour moi. Et voilà, on a fini le niveau en mode super badass. You again? This time, there will be no more interruptions! The Iblis Trigger must die! Sonic... Ha! So how was your little walk? Great. Elise! Ah! It's time to end this! Who? Mephiles! Why are you getting in my way? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. Ah, j'avais complètement oublié comment que les chargements dans le jeu étaient si bien faits. Ah ouais, Shadow, tu peux lancer des éclairs, hein. Moi, quand que je te jouais, je n'en lançais pas. Je sais pas pourquoi, mais toi, capable de tout faire dans le jeu, hein, ça semble bien. C'est bien ça, c'est bien. Bon, là, si je comprends bien, je dois pas me faire toucher. On peut même pas le stun, hein, en plus. Bien ça, c'est bien hein. Là on peut lui lancer des trucs sur la gueule pendant qu'il est par terre, donc en gros c'est ça que je comprends qu'il faut faire. Quand il saute, après faut juste lui lancer des paris sur la gueule. Donc vas-y saute. Ouais c'est ça, donc à chaque fois qu'il saute, faut tout simplement prendre des paris et lui lancer sur la gueule. Waouh, ce boss c'est beaucoup trop dur. Pourquoi il est rouge? Pourquoi Shadow t'es rouge? Pourquoi je lance des pelles? Mange une pelle! Yeah, ça raccroche et ça rappelle. Lol, MDR. Oh merde, là je suis dans la merde. Poupipou, pipou. Ouais, lui il réussit à me toucher à l'autre bout du monde. Hein. Non mais, lance-y-tu les paris quoi? PewDiePie il serait pas content. Allez, j'ai des paris, j'ai des paris, j'ai des paris. Barry, Barry. Bon, il manque un petit coup, je crois. Non! Il est tellement moche, il me tue, quoi. J'ai tellement lancé le Barry en mode... J'en ai rien à foutre. Bon, allez, on se casse un peu. Non, mais, s'il te plaît, tu peux me laisser tranquille deux secondes. Faut les prendre là-bas. Il y en a plein là-bas. Normalement, on devrait l'avoir. Voilà. Trop le boss le plus dur au monde. Silver en boss, c'est le cancer. Quand t'es avec Silver, c'est la maladie. Je sais pas.
J'ai rien à rajouter là-dessus. Hein. Je vais juste me taire et je vais attendre la prochaine cinématique. Je pense que c'est ça qu'est-ce que je vais faire. Chaos Control! You! Don't bother. With the Chaos Emerald's power, I control time and space. You can't break free. I won't give up! It all depends on me! Can't lose! Not when I'm so close! Ah! Chaos! Chaos! Control! Huh? You induced chaos control. I won't let anyone get in my way. I'll change the past and save the world! Mephiles isn't trying to help you create a better future. He's trying to eliminate the past. What? What are you talking about? To discover what happened. It seems we must see what took place 10 years ago. Follow me if you want the truth. Magnetic pulse has just been generated, injecting a decompression agent. No, the level's not dropping. A spatial meltdown is inevitable. My lord, it's too late. We've got to take shelter. Why so loud? Why do you refuse to listen to my voice? Father! Elise! Is that... Flame. It's Iblis! And the Black Shadow is the original Mephiles. That's Mephiles? They're escaping! We'll have to split up. I'll pursue Mephiles. Okay, then leave Iblis to me. Wait... Seal it with this. Hurry! A laboratory like this? Bon. Pendant 2 secondes, je vais arrêter de lui dire que le jeu c'est de la merde. Et je vais essayer de me préoccuper un petit peu plus de l'histoire. Donc si je comprends bien... On avait déjà fait avec Shadow qu'on allait voir Mephiles, et Mephiles était, bon, ce que j'ai compris. Pourquoi on joue avec Shadow, on était avec Sylvain? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas envie de jouer avec lui? Oh, ok, j'avoue que j'aime mieux jouer avec Shadow, c'est beaucoup plus sympa comme gameplay, mais bon. Peut-être pas envie non plus de jouer avec lui, hein. Surtout que son truc que tu tâches ou je sais pas trop quoi, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait. Bref, donc tout ça pour dire que là les gens qui regardent la vidéo sont comme mais papa pourquoi tu joues pas avec Sylvain, t'es dans l'histoire de Sylvain mais là tu joues avec Shadow, je comprends pas. Bref, ça pour vous expliquer que dans l'histoire si tu comprends bien Mephiles est méchant, Iblis c'est le truc gentil, donc bon, qui est méchant, qui est gentil, on le sait. Maintenant pourquoi il y a le gentil, c'est comme le yin et le yang dans un sens. Mais en même temps, je comprends pas trop pourquoi ils essayent de prendre la puissance de ça. Je sais pas trop.
On va sûrement savoir un petit peu plus, il y a peut-être une histoire finale à... Ah voilà, on tourne avec Silva. C'est quand même bien ça. Et si je me souviens bien aussi, là, je pense que c'est le même niveau qu'on a déjà fait. Là, je sais même pas si ça passe. Oui, ça passe. Mais comme je dis, si je me trompe pas, c'est exactement le même niveau qu'on fait avec Shadow. Je suis prêt à dire que c'est exactement le même en plus. C'est vraiment triste, c'est exactement le même. Hein. Je peux pas dire que c'est de la merde, mais c'est juste un peu triste quoi. Vous faites des histoires différentes et vous prenez les mêmes personnages. J'avoue que Sonic Heroes utilise ce principe à la merveille en plus. Bah, peut-être pas à la merveille, mais bon, ils utilisent le même principe quoi. Ouais, prends des petits ballons. Ballon, 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 ballon 2, ballon 2. Donc voilà, ce que je comprends, ce niveau est tiré exactement du niveau de Shadow. Donc c'est pas vraiment une nouvelle, c'est pas vraiment un nouveau niveau. Donc normalement, c'est ce qu'on doit faire. Ça reste assez simple. Donc c'est ça, par rapport à l'histoire, j'essaie de m'y porter un petit peu plus attention. J'ai juste bien hâte de voir s'il y a eu comme une final story ou de la story, comme le jeu. Je sais pas s'il y a un truc final. On va voir de toute façon, parce que je sais que je suis bientôt à la fin de l'histoire avec Silva. Ouais. Normalement, le boss final, j'ai aucune idée, ce serait qui? C'est quoi, ce serait Iblis, que je battrais? Pourquoi? Je sais pas trop. Je viens de voir, hein, c'est quoi qui va se passer à la fin. Hein. Oh merde, je pensais que j'étais en train de tomber comme une merde. Hop, on s'en fout. Ciao, ciao, la caisse. RIP, la caisse. Ouais. Bon, ça on esquive ça, facile. Hop. Les ennemis au pire on s'en fout. C'est pas ça qu'est-ce qui va m'arrêter dans le jeu. Hein. Je vous l'assure à 100%. Ouais, la caisse ça me sert strictement à rien. Ciao. J'ai dit ciao. Où est-ce que je saute et je passe dans le centre. Pour après sauter ici. Et voilà. Aussi simple que ça. On se casse pas trop la tête, mais on se casse les FPS. On adore casser les FPS. T'as détruit ma boîte explosive. Je vais le dire à mon papa. Parce que mon papa est le plus fort. Poupi poupi papi poupi pa. Pourquoi je chante la chanson de Shingeki? Je ne sais pas. Allez, on prend les boîtes explosives. Et bra bra bra. Oh, les trickshots Call of Duty. Ah non, faut pas que je dise ça, il y a des gens qui vont s'énerver. Les gens n'aiment pas les trickshots Call of Duty. Ouais, non, faut juste pas tomber en bas, si je comprends bien. En gros, là, on revient sur nos pas. Hein. Il y a une vie ici. C'est bien. Je suis prêt à dire que c'est là où faut aller. Suivant le chemin non prescrit de ce jeu. Ah ben non, ce n'était pas le chemin prescrit de ce jeu. Est-ce qu'il faut revenir sur nos pas? Ça serait complètement, mais complètement con. Mais... je crois au jeu complètement con. Alors, mon intuition me dit qu'il faut se rendre à des endroits complètement con. Exactement. Ah oui, ça, je me souviens comment c'était de la merde. Ok. 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 C'est de la merde, j'aime pas ce principe. De balles qui bougent. Hop. Go. Traverse. Arrête. Traverse. Arrête. On est bientôt rendu. J'y crois toujours. La vie, j'en ai rien à foutre. On arrête. J'ai dit. Oula. Bon, nous sommes rendus. Et hop. Fuck la bulle. Voilà. Fin du niveau normalement. Bon, ok, il fallait prendre les caisses. Non, mais. Comme si je le savais qu'il fallait prendre des caisses. Hein. Il y a des caisses, moi je les prends pas. Hein. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. C'est pas quoi, faut que je bute en plus les ennemis. Oh là, la botte elle a ricoché. En mode, j'en ai rien à foutre. Allez, faut descendre ici. Trop fort. Trop fort. Ah, les bulles, je les aime encore. Oui, je crois qu'il bloque la porte moi aussi, hein. Je dis ça de même, mais je sais pas, il y en a 32 millions.
Donc je suis prêt à dire qu'il bloque 32 millions de portes. Attends, mais pourquoi ça le tue pas? Merci. Voilà. Ok, en plus ça rouvre même pas cette porte-ci, ça rouvre la porte à droite. La porte, genre, je suis caché, je ne suis pas une porte, c'est faux. Je suis une fausse porte.